sommes à la frontière du Sikkim maintenant. Et de l'autre côté des montagnes est l'état de Jadapur. À Delhi, j'ai été présenté au Maharaja de Jadapur. C'est un homme intelligent et courtois. Oui, je sais. C'est un ami du gouverneur. Il a organisé une grande chasse aux tigres, en votre honneur. C'est magnifique, Reginald. Nous passerons de merveilleuses vacances dans ce pays. Et ensuite, nous irons à Londres pour nous marier. Ce sera encore plus merveilleux. Alors, je sens comme une menace dans cette vallée. N'ayez aucune crainte. Notre escorte est là pour nous protéger, Cynthia. Hey! Plus, un de nos détachements a été attaqué par la secte de l'éléphant blanc. Au cours du combat, 20 de nos sipailles ont trouvé la mort. Et j'ai le regret de vous annoncer, messieurs, que la fille du ministre a été faite prisonnière. Et sait-on si Reginald Millinaire a été tué lui aussi? Non, il a été fait prisonnier et les bandits l'ont emmené avec Mademoiselle Patterson. Alors, il est encore vivant. Hélas, on ne doit pas trop s'en réjouir. Ces bandits ont l'habitude de torturer leurs prisonniers. Ceux qui s'en sont évadés sont revenus dans un tel état qu'ils en sont morts peu après. Il est de notre devoir de détruire cette secte coûte que coûte et par tous les moyens. Ce n'est qu'à ce prix que les routes du Sikkim deviendront sûres à nouveau. N'avons-nous aucun indice sur l'endroit où se trouve leur repère? Le sipaï rescapé nous a déclaré qu'après l'attaque, toute la bande s'est dirigée tout droit vers le nord-est. Cette direction de marche doit les amener au village de Bonourès. Ce village est situé, comme vous le savez, sur la rive du Fouma, le fleuve qui sert de frontière entre notre protectorat et le royaume du Maharaja de Jadapur. Ils ont donc pu traverser et entrer dans Jadapur. Cela, nous ne saurions l'affirmer. On ne sait qu'une chose sur cette secte, c'est qu'elle vit dans un grand temple souterrain dans la jungle. Elle y adore un éléphant blanc qui est pour elle un dieu. Mais jusqu'ici, il nous a été impossible de repérer leur refuge, qui est caché dans une région hostile et difficilement accessible. Le Maharaja de Jadapur nous a toujours rendu service, et c'est un ami personnel du ministre.
Je suis certain qu'il ne soulèverait pas d'objection à ce qu'un de nos détachements pénètre dans son pays pour trouver le temple en question. Capitaine Willoughby, vous ne feriez pas un bon diplomate. En général, un bon soldat doit savoir être aussi un bon diplomate, mais aux Indes, c'est une qualité indispensable. Le Jadapur est un état indépendant. Et le Maharaja est extrêmement jaloux de ses prérogatives. Nous ne pouvons pas courir le risque de heurter sa susceptibilité. Si je comprends bien, ça signifie que nous ne pouvons rien faire. Ce soir, je donne une réception à l'honneur du Maharaja. Je l'informerai de ce qui est arrivé à Millinaire et à la fille du ministre. Je lui expliquerai que, d'après nos renseignements, les bandits ont dû se réfugier sur le territoire du Jadapur. Et j'espère qu'il ne refusera pas de nous accorder son appui. Mais de toute façon, messieurs, et même s'il refusait, je vous demande de montrer ce soir au Maharaja la politesse et la déférence les plus respectueuses. Merci, messieurs. Monsieur le gouverneur, madame. Quelle magnifique soirée. Bonsoir, Lieutenant. J'ai vu Wilson à Londres pendant ma permission. Il m'a chargé de toutes ses amitiés pour vous. Vous venez au buffet? Moi, je préférais la manière forte. J'aurais traqué ces sauvages avec mes cipayes. Au besoin, j'aurais mis le feu à la jungle, mais Sir Robert préfère la diplomatie. Bravo, John. Preux chevalier. Sir John s'élança conduisant ses braves vassaux au combat pour sauver la jeune demoiselle de son sort affreux, et il l'épousa. Et puis, ils eurent beaucoup d'enfants. Ton ironie ne m'atteint pas. Que va devenir Cynthia? Ça, c'est une autre chose. Elle est très jolie. Elle n'aura aucune difficulté à trouver une place dans un harem. Et nous ne pouvons rien faire pour la sauver? En montant ici un harem pour elle. Ce serait une excellente idée, ça. Vous tournez toujours tout en plaisanterie. J'ai un grand sens de l'humour. La vie est courte. Ici aujourd'hui, demain aplati par l'éléphant blanc, peut-être. Rions avant de pleurer, a dit le sage. Le pire, c'est que Reginald est prisonnier et que ces sauvages vont le torturer. Voilà. Voilà où s'amène la diplomatie avec le Maharaja. C'est lui. Je veux lui dire son fait. Altesse. Je vous en prie, Altesse. Oh! C'est inouï, quelle audace! Le lieutenant Richard Ramsay. Écoutez, il y a une chose. Je vous en prie, lieutenant. C'est à se demander si le lieutenant a perdu la tête. Il va le payer cher, non? Oui.